Bonsoir à tous, bienvenue pour ce troisième épisode sur le protocole Callisto, un jeu qui pour le moment est très moyen, on va pas se mentir. Impression UJC à votre service. Veuillez effectuer une sélection. Re-Harry. Je viens juste d'améliorer les gants. Ça commence bien, on s'est fait lyncher. J'ai vraiment beaucoup de mal avec le gameplay. Hein. Je me cave les souris, peut-être que ça aurait été mieux à la manette, je sais pas. J'ai du mal à adhérer au gameplay. Bon, on va recommencer. Là, tu vois, les blocages, ils fonctionnent pas. J'appuie sur S, ça... Non, mais franchement, le gameplay, là, j'adhère pas. Vraiment, j'adhère pas du tout. Mais... Enfin, ils t'ont mis sur la même touche. UJC, passer une journée unie. Avec la même touche, tu peux reculer et bloquer. Va chercher la logique dans la définition des touches. Le système de sauvegarde, il est pourrave. On va jouer bourrin avec le gantelet, puis c'est tout. Est-ce qu'on peut pas jouer au cac? Ah oui, non, mais de toute façon, Je l'ai acheté pour le streamer, hein, mais c'est... Voilà. Voilà. Ils sont avec leurs copains. Ça pourrait être presque une soirée vernissage dans une galerie d'art. Serious?
Non, mais les combats sont vraiment bizarres. Hein. Et honnêtement. Hein. Tu vas sur le site de Gamekult, ils disent aussi que les combats sont pétés. Hein. Donc en fait, si je comprends bien, si on veut jouer, faut booster le gantelet, puis c'est tout. Quoi. Tu vois, le gantelet, c'est God Mode. Enfin bref. Allez. Tu joues à quoi alors ce week-end, Harry? Sackboy, mais c'est pas plutôt orienté coopératif, Sackboy. Désolé, je retire la caméra, 30 secondes. Bah, si tu veux jouer à un jeu coloré, mignon, drôle, et qui sent la bonne humeur, tu as... Comment ça s'appelle déjà ? Darkest Dungeon ? Alors par contre, Darkest Dungeon, c'est le jeu qui peut te faire vraiment péter un câble. J'ai besoin de me remoucher, désolé. Ça dépend à quelle école tu es allé. Je sais pas. Je comprends pas. Quel guépier je me suis fourré. On peut pas les détruire.
Je sens le gros script là. Je comprends pas le sound design là. C'est comme si on était entouré de bestioles, mais il y a rien. Est-ce moi ou les textures elles sont pas extraordinaires? C'est pas moche mais... Enfin c'est... Pas extraordinaire quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Impression UJC à votre service. Si tu me reçois, j'ouvre le verrouillage. Beau travail, vieux. J'entre dans la station. Le problème, c'est que je peux pas l'atteindre. La passerelle s'est effondrée. La pièce de service d'en face mène au niveau inférieur. Regarde si tu peux atteindre la passerelle de là. Bien. Dépêche-toi. La tempête empire. Oh!
m'en doutais qu'il allait nous sauter dessus juste au moment où on se soigne. Est-ce que je peux te demander quelque chose, Harry, s'il te plaît ? Vu que t'as suivi les streams depuis le début sur le protocole Callisto, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous résumer l'histoire ? Sans le piège à plein nez. Non mais tu vois, j'essaye de taper à droite et j'y arrive pas. C'est affreux, c'est affreux. T'es sûr que t'as vraiment suivi l'histoire ? Parlait de descendre, donc je pense qu'il faut visiter ça avant. Salut, salut! Quand tu vas, Barbara? Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, Barbara. On est sur un jeu, c'est un survival horror qui est somme toute pour le moment très moyen. Scénario pour le moment il est pas vraiment décrit et au niveau de l'optimisation c'est une catastrophe. Et puis le comble c'est que bah, pour le moment il fait pas vraiment peur le jeu.
Est-ce que tu trouverais que le jeu fait peur? T'es sérieux, Harry? Ou c'est un troll? Ah, d'accord, c'est un troll. Oh, il lève la main, magnifique. Waouh, l'animation. C'est oula. Déjà, je pense que ça peut déranger certaines personnes là. À mon avis, il y en a qui pourraient faire des crises d'épilepsie avec ce truc. Jacob, hé, par ici! Komm rauf, es ist nicht so übel. Attends, tu veux que je grimpe ça? Ça dépend. Tu veux quitter ce caillou ou pas? Ouais, bien vu. T'as une sale gueule. Je m'étonne, et au sens propre. Parce que quelqu'un a oublié de me dire que j'allais nager dans la merde! Je t'avais dit que ça allait pas être facile, mais t'y es quand même arrivé. Ouais, toi et moi. On n'y est pas encore, mais on se rapproche. Allez, attrape ma main! Sont en train de changer, d'évoluer. Ouais, je crois qu'on doit se tirer d'ici.
La combi, c'est pourquoi ? La station a été endommagée pendant l'évacuation. On doit sortir pour accéder au tram. Tiens, habille-toi. On doit encore traverser cette tempête. Quand tu seras prêt, je fermerai le sas. Je t'ai jamais demandé. Pourquoi t'es ici ? Pourquoi ? T'as peur d'aider un meurtrier à s'échapper ? Ouais, en quelque sorte. Et alors ? Écoute. C'était il y a longtemps, ok ? Je me défendais. Mauvais endroit, mauvais moment. J'ai pris pas mal de mauvaises décisions à l'époque. Ouais, le sort s'est sûrement acharné sur toi. Non. Non, non. À l'époque, je blâmais tout le monde. Et puis j'ai compris que c'était ma faute. Le passé te rattrapera toujours. J'aurais pas dit mieux. Bon appétit! Bon appétit, Harry. Attends, attends! Ah mais je pensais que c'était une illusion. Mais c'est la... C'est pas juste une illusion en fait. Alerte. Glissière ouverte. Joint du casque défaillant. Bon, apparemment, Harry, il est fan de lasagne. Hein. C'est pas la première fois qu'il vous dit qu'il va aller manger des lasagnes. Elias ! Ou sinon, le samedi soir, c'est lasagne. Je dois le trouver. On a bien des traces dans la neige. Cette putain de tempête. Bizarre, les traces s'arrêtent. Balise. Elias.
continuer, allez! On doit te mettre à l'abri! Viens! Je peux pas! Allez, tu peux le faire! C'est pas si loin! On est pas si loin, allez! Non, non, pas! Gotta keep going! We gotta keep going! Come on! Non, mec! J'en peux plus! Merci. Grâce à toi. Je suis sorti. Dites pas de faire confiance. Comment tu nous as trouvés? Grâce à la valise. T'as de la chance que ce soit moi qui l'ai repéré. T'arrives trop tard. Pas pour ce dont j'ai besoin. Il connaissait Black Iron comme sa poche. Hé, hey, mais qu'est-ce que tu fais? Hé hey! Maintenant, moi aussi. Hé, hey, attends! Attends! Où tu crois aller comme ça? Je suis pilote, t'as besoin de moi. Le hangar est par là. Tu devrais te dépêcher. Putain, c'est pas vrai! Je suis vraiment désolé, Elias. Il y a même des problèmes de doublage. Tout à l'heure, il parlait allemand. Là, il a parlé un anglais. Le jeu, ça sent le jeu pas fini. Faut que je sorte de cette tempête. Impression UJC. Passez une journée unie. J'ai pas assez pour produire le fusil à pompe. Hésite. Une série de livres de poche vont suivre le jeu. Apprenez allemand en jouant un projet Callisto Volume. Apprenez l'anglais. Ouais. Non mais là, enfin, c'est vraiment les symptômes d'un jeu qui est pas fini. L'optimisation qui est aux fraises. Ouais, qu'il y a des petits soucis dans les combats.
sur les esquives, etc. Les doublages, d'un seul coup, ça change de langue. C'est moi où il y a un problème de cohérence dans le jeu. Les monstres qui sont dans le bâtiment à l'abri du vent sont gelés. Mais par contre ceux qui sont à l'extérieur ne le sont pas. Ça vous choque pas ? Essaie de trouver quelque chose pour faire levier sur cette porte. Cette tunnel d'accès mène au garage de la dameuse. Tu peux nous faire entrer.
quelque chose. Allez, dépêche-toi avant que ces choses reviennent. Comment il met pas la pression déjà? Et je vois rien à ramasser. Vous voyez quelque chose à ramasser? Je vois pas avec quoi je peux interagir. Alors notez bien, hein, il se fait une injection à travers la combinaison, bien sûr, et la combinaison reste étanche.
va peut-être se soigner. Il y a certaines scènes, elles pourraient peut-être, hein, je dis bien peut-être, rappeler le métro. Je sais pas si t'as joué à ce jeu-là. Forcément, si c'est écrit Tite's Way, on va dans le sens opposé.
Y'a rien. Peut-être que le jeu sera mieux une fois qu'il sera patché, hein. J'en sais rien. Dommage. Oui, oui, tout à fait, ouais. Oh, oui. Caméra qui est en PLS. Ce qui m'a paru bizarre hein, sur la vidéo où on est mort, c'est qu'apparemment le verre est rentré dans la gueule, dans la bouche de notre personnage, mais la visière n'était pas brisée. On voyait qu'il n'y avait plus de visière une fois qu'il était en... qu'il était mort. Mais avant, la visière était toujours présente et non endommagée. Je peux me tromper, mais... Ouais, ce serait bon de revoir ça, tiens. On avait deux chemins, manque de bol, c'est pas le bon. Ouais, c'est un monstre explosif, c'est bien ce qui me semblait. Ok.
sais pas pourquoi, mais je suis pas fan du gameplay avec le gant. Autant le gameplay au corps à corps, j'aime bien, mais on sent qu'il est... Il manque de... Il a besoin d'amélioration, clairement, parce qu'il est trop, comment dire, trop brut de décoffrage. Et le gameplay avec l'avant-bras, là, le gant anti-gravité, je trouve ça trop puissant en fait. Ah non, on peut se roter au piquant, mais non, ça fait rien. Je suis perdu là. Je suis complètement perdu. Thank you.
même particulier le gameplay, hein. Juste à target, appuyer sur un bouton et aller balancer sur, sur des piquants. C'est un peu bizarre. Je me souviens que le gameplay de Dead Space était quand même un peu plus élaboré que ça. Je pense qu'on va pas pouvoir s'empêcher de le comparer à Dead Space. Tu es sur ton vaisseau, je suppose qu'on est quitte. T'as peut-être pas remarqué, mais la situation est un peu partie en vrille. Hé, tu m'aimes pas et je t'aime pas, mais Elias a des raisons. On n'a aucune chance seul, mais ensemble, on pourra peut-être s'en sortir. D'accord. Si je peux réparer la dameuse, elle nous amènera au hangar. Ouvre la porte principale. Va jeter un œil là-bas. Je suis censé te faire confiance? Tiens, prends ça. T'en auras besoin. Ces choses sont partout. Au fait, je m'appelle Jacob. Je sais qui tu es. Gigi. Appuyez sur 1 pour passer rapidement d'une arme équipée à l'autre. Les armes peuvent également être sélectionnées et équipées à partir de l'inventaire. Oui, on a un petit peu avancé, Gigi. Oh là là, ça va être chiant pour changer d'arme. Contrôle. Peut-être pas plus mal. Bon, pas grand chose, on a un peu amélioré le gant. C'est à peu près tout. Après là, je mettrai la vidéo sur YouTube si vous voulez, si tu veux revoir le début. Je dis pas qu'elle sera immédiatement disponible. Hein. Il faut le temps qu'elle charge sur YouTube. Mais demain matin, tu devrais l'avoir.
Ou un peu plus tard dans la soirée, quoi. Ah, je savais pas qu'on pouvait les briser, ces armoires. Ouais, on était passé devant déjà des armoires comme ça. Ah, c'est ballot. Je vois pas ce qu'il faut faire. Si vous avez une idée, hein, n'hésitez pas à suggérer. Je vois bien qu'il faut déverrouiller cette, cette porte, mais Ah. Merde. Je vais dans l'autre pièce. Je te dirai quand je serai prêt. Une sécurité efficace, ça paraît logique. Un système de sécurité à toute épreuve, ça paraît tenté. Ne meurs pas. Impression UJC. Passer une journée unie. Oh, 2700. Veuillez effectuer un choix valide. 900. On peut peut-être vendre quelque chose. Ouais, donc c'est pas pour tout de suite, ouais. Ah, hein, regardez la vidéo, je te spoil pas. Tu veux que je te spoil ou pas? Sur ce que t'as pas vu. Disons qu'on a fait un tour dehors. Voilà.
Exactement. Je savais pas qu'un mob allait sortir de l'ascenseur, mais bon, ça me semblait fortement probable. Je pense que ça va se couvrir quand on va reposer le fusible. Il doit y avoir une console quelque part. Ah bah oui, forcément. Le Riot Gun, je sais pas, c'est peut-être le pompe. Peut-être ça. Je l'ai pas utilisé pour le moment.
l'impression que le gameplay se fait essentiellement avec le gantelet. On n'est pas rentré dedans, on était à côté quoi. Non mais. Oui, le Riot Gun, c'est le pompe. Hein. C'est le pompe qu'on a récupéré. Dans 3, 2, 1. À part là. Non. Et où bon sang ? Heureusement qu'un pompe fait mal. Heureusement.
à un moment dans les dialogues, t'as aussi une autre personnage qui d'un seul coup parle anglais. Je sais pas pourquoi. Ou t'as un PNJ qui parle allemand. Bonsoir, Moussard, bonsoir. Est-ce que vous avez passé une bonne journée ? Dans Dead Space, on pouvait frapper avec une avec l'arme au cac. J'ai l'impression qu'on compare trop ce jeu à Dead Space et bah malheureusement il est pas aussi bien quoi. En même temps, la comparaison, celui qui a réalisé le jeu, c'est un ancien réalisateur de Dead Space, donc... que c'était la maman. On n'y voit rien dehors. Alors c'est quoi ton problème? Arrête. On y est presque. Le hangar est de l'autre côté. Je sais. Je reviens tout de suite. Quoi ? Oui. Hey ! Hey ! Hé, reviens ici ! Juste le voir de mes propres yeux. Danny, tu vas où, merde ? Danny ? T'es où ? Il a pris cher son vaisseau. Hey, qu'est-ce que tu fais ? Y a quoi là-dedans ? Du matos médical ? Connerie ! Ouvre. Quoi ? Parce que je le dis. On n'ira nulle part tant que tu l'auras pas fait.
Ok, d'accord. Quoi ? Ouais, comme je te l'avais dit. Mais les archives indiquent que t'as fait plusieurs livraisons avant l'incident. Oui, moi, une douzaine d'autres vaisseaux de transport. Essaie pas de me baratiner ! Je sais très bien que t'es impliqué ! J'ai rien à voir avec ce qui s'est passé sur Europe ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Cet implant me fait perdre la tête. Ça n'a aucun sens. Mais je vais découvrir la vérité. En attendant, tu ferais mieux de te ressaisir. Quelqu'un doit nous piloter hors d'ici. Allez, on y va. Par ici. Alors, qu'est-ce que tu t'attendais à trouver ? Une arme biologique de l'UJC. On l'a suivie depuis Europe jusqu'ici. Jusqu'à mon vaisseau ? C'est ce que je croyais. La salle de contrôle est droit devant. Prépare-toi. Le tour, hein. Il y a certainement d'autres choses à récupérer. Il y a peut-être du lore dans les vidéos, mais pour le moment, j'ai du mal à faire le rapport. Transférer les données. J'ai besoin de savoir tout ce que je peux sur ce qui se passe ici. Mais tu l'as juste arraché. Comme si t'avais pas déjà fait la même chose. Pas quelqu'un que je connais. Tu le connaissais. Tu l'utilisais juste pour t'échapper. Le vaisseau est en orbite. Je vais activer l'appel à distance. On peut prendre l'ascenseur dans la pièce d'à côté, jusqu'au pont d'atterrissage. Ouais, c'est de là qu'on a décollé. Je m'en souviens. Joli. Je m'occupe de l'ascenseur. Regarde tous ces cadavres. Ils tuent tout le monde. À mon avis, quelqu'un essaye de couvrir ce qui se passe ici. Ça va prendre un peu de temps. Jette un œil dans le coin. Essaie de trouver quelque chose.
C'est pressurisé, donc ouais, pourquoi ils gardent toujours leur visière, les gars, là ? Je peux le faire sans ton aide. J'ai une bêtise ? T'as pas l'air trop surprise. Comment ça ? Par tout ce qui se passe ici, peu importe ce que c'est. J'ai déjà vu quelque chose comme ça. Sur Europe. Et Europe ? Le reporter a dit que t'étais responsable. La propagande de l'UJC. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Un peu comme moi et cette cargaison que tu pensais que je transportais. Peut-être. J'aimerais bien. Oh, ça sent le gros combat là. Grosse zone à découvert. Le voilà. On a 2 minutes. Juste à temps. C'est beaucoup plus gros que mon ancien vaisseau. Tu penses pouvoir le piloter ? Je pilote ce que tu veux pour foutre le camp d'ici. Hé, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est pas moi ! Oui, mais chacun doit apprendre à accepter ce qu'il ne peut pas contrôler. Voyez, je suis impressionné que vous soyez arrivé jusqu'ici. Vous aviez peut-être du potentiel après tout. Monsieur Lee, Mademoiselle Nakamura... Votre voyage a dû vous sembler long. Depuis Europe. Qu'est-ce que vous dites ? Mais j'ai bien peur que les enjeux soient trop élevés. Le protocole ne peut pas être rompu. Et même si votre histoire se termine ici... Sachez que vous avez mon respect. Attendez. Mais non ! Non ! Allez ! Allez ! On comprend pas ce qui se passe, hein. Qui délire là. Danny. Danny. Qui est sursauté? J'ai cru que c'était END. Hein. Quand j'ai vu END, je me suis dit tiens, c'est la fin. Jacob!
Une seconde. La console est toujours active. Oh merde. Quoi ? C'est Arkas. C'est quoi ça ? Arkas. La première colonie. Celle sur laquelle la prison a été construite. Il y a un ascenseur pas loin d'ici. On peut le prendre jusqu'au centre de transport, et puis traverser la colonie pour retourner à Black Iron. Quoi, y retourner ? Non, y a pas moyen. On a failli crever juste pour essayer de sortir de Black... On n'est plus là pour s'échapper, Jacob. Alors, pourquoi ? Plus maintenant ! Pourquoi on est là ? Des réponses ! Pourquoi le directeur vient d'abattre un de ses vaisseaux ? J'en sais rien ! Et c'est quoi le putain de lien avec Europe ? C'était censé être juste un autre contrat. Mais ça, c'est du délire. Je sais. Mais est-ce qu'on a un autre choix ? Allez, viens. Cette zone n'est pas sûre. Alors qu'est-ce qui est arrivé à la première colonie ? Abandonné. Tout comme le reste de Calistan. Jusqu'à ce qu'ils construisent une prison. L'UJC doit bien gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre, non ? Surprenant qu'il y ait encore du courant. Ces vieux générateurs de fusion ont été construits pour durer. On dirait que le hangar est toujours en train de s'effondrer. Oui, l'ascenseur devrait être droit devant. Sur la carte, il y avait une route de service quelques étages plus loin. Peut-être un moyen plus rapide d'atteindre la colonie. J'espère que ton plan va pas nous tuer tous les deux. C'est de pire en pire. On devrait se dépêcher. C'est ici, c'est ça ? Ouais. Mais je vois pas l'ascenseur. Merde. Il est à chef. J'espérais qu'on aurait de la chance. Mais cet endroit tombe en ruine. Il doit y avoir un autre moyen de descendre. Alors trouvons-le. Allez, viens. Voir un autre chemin. Je te rejoins. Sois prudent. C'est pire que je l'imaginais ici. Ce truc va tenir. Essaie de pas y penser.
Je sais pas du tout où je vais. Hein. J'ai trouvé une échelle. Je descends. Mais tu veux pas... S'il te plaît, tu passes, voilà. Par ici. J'ai trouvé l'accès de service. Allez. Pas si loin. Ok. C'était quoi ça, Danny? Je sais pas comment, mais ces choses sont ici aussi, mais elles sont différentes. Plus ancienne, elles agissent au son. Si tu peux m'entendre, je vais essayer d'atteindre le centre de transport. C'est bizarre là, il y en a qu'un seul. Hein. Tout à l'heure, il y en avait une ribambelle. Là où Harry a mis dans le mille, c'est y a pas de scénario quoi. On raconte pas une histoire. Ça me fait penser aux Clickers de
Pas Uncharted, pardon. Aux clickers de... Ah ! The Last of Us. Ah, ça commence à être sympa là. Combat un peu furtif. Mais il y a encore des choses que je trouve incohérentes quoi. Si les monstres se repèrent au son, quand on les tue, même discrètement, ils font du bruit. Ça devrait attirer les autres. Vous êtes pas d'accord avec ça? J'aurais dû m'en douter. C'est vrai que pour le moment, on nous raconte pas vraiment une histoire. Là, c'est juste tu avances sans comprendre et les monstres se renforcent petit à petit. Yeah.
Ouais, c'est pour ça que je pense à The Thing. On a une scène comme ça, notamment, où t'as la bestiole qui a un coup proéminent. Abusive de cette machine sera signalée à l'administrateur. Je t'emmerde, tu l'utilises la machine point barre. Je ne demande pas ton avis. Inspectez l'élément imprimé avant utilisation. Assurance qualité effectuée. Peut-être fait une connerie là. J'ai fait une connerie. Oh, je suis perdu là. Complètement perdu. Et ici qu'il y avait une saloperie qui nous saute à la gorge. Let's go.
On va pas ouvrir le casier avec la bestiole. Juste vérifier quelque chose. Oh non, c'est... Ça grimpe aux échelles, ces saloperies. Ouais, donc si on revient en arrière, c'est pire. Ok. Non mais... Purée, la vache. Mais pour passer... Non mais les contrôles, c'est affreux. C'est affreux. Ah, ça change, tout à l'heure c'était du heal. Non, je me trompe. Mais crotte, il veut pas passer, bordel.
Oh, ça m'agace. Mais quel contrôle de merde dans ce jeu, quoi, sérieux. C'est... Non, mais c'est une horreur. Pour passer, là, c'est une horreur. Ah, là, il passe. Il y a un truc que je fiche pas, ces bestioles là sont censées être aveugles. Comment elle a pu nous rejoindre là-haut? Ok, elle se repère au son, mais on faisait pas tant de bruit que ça tout de même. Là, l'objectif, c'est de modifier, améliorer les gants. Ça, c'est le pistolet tactique, je crois. Je sais pas ce que c'est, ça. Bon, on va rester là-dessus. On essaye de jouer un petit peu sur le noir, la claustrophobie. Je sais pas ce qui manque au jeu pour qu'il fasse vraiment peur. Ah, voilà, des trucs comme ça par exemple. Un changement de point de vue de caméra d'un seul coup, gros plan. C'était moins une. Là, c'est bien, ouais. Je sais pas ce que t'en penses, Harry, toi. Mais le coup de la main, là, ça c'était bien. C'est, en fait, en termes de feeling sur le personnage, j'ai l'impression de déplacer une enclume.
je sais pas comment vous le transcrire. Une sensation de lenteur, de lourdeur. Bon, joué à The Last of Us. Sur PS3, je trouve que c'était nettement plus réussi en termes d'ambiance. Parce que là, ça me fait penser aux scènes avec les... Je crois que ça s'appelait les clickers. Et ça, c'était vraiment flippant en fait, parce que vous aviez des surins, et les surins, ils se cassaient assez facilement, et si vous gaufriez contre un clickers, et vous étiez dans une salle où il y en avait d'autres, bah, le clickers faisait du bruit, ça attirait les autres, et vous faisiez lyncher. Et donc, c'était assez oppressant en fait, les scènes avec les clickers. Alors que là, vous trucidez des monstres, ils gueulent, les autres, ils s'en foutent. Je trouve le jeu vraiment bizarre quand même. Bonsoir à Pota Potato Malhonnête. Malhonnête. Pas mal le pseudo. Allez. Ouais, je trouve qu'il y a plein de petites incohérences dans le jeu. Bonne nuit au Moustoir, bonne nuit. Il me semble que si on compare à Dead Space, dans Dead Space, il jouait beaucoup plus avec les ombres et l'obscurité.
bonne nuit Harry. Tu as regardé lequel d'Alien? Alien 4, le meilleur. Le meilleur des nanars. You serious? Je comprends pas pourquoi il n'y a aucun éditeur qui a voulu faire un survival horror dans l'univers de Walking Dead. On n'a pas de flingue. On a juste des armes de... Des armes blanches qui sont craftées tant bien que mal. Qui se casse facilement. On est très vulnérable, faut être très discret. Ça aurait pu être super sympa.
J'aurais pu la jouer un peu plus fine quand même. Allez, on continue. Et en plus, dans The Last of Us, il me semble, de mémoire, qu'on pouvait lancer des objets pour les attirer. Oh là là... Express, pas possible.
fatality. Doit être le centre de transport. Faites votre sélection. Ah zut, il me manque quasiment rien. On verra ce que ça donne. Assurance qualité effectuée. On dirait que ça va me mener à la colonie. J'espère que Danny est là-bas. Faut pas les ouvrir ces caisses. Ballot. Ils peuvent forcer des caisses mais pas celle-là. Merde, y a pas de courant. Ces câbles doivent mener à un générateur. Ils parlent de quel câble ? Ah d'accord. On ne tenait rien dans la main, magnifique. Thank you.
Tant que je peux utiliser le surin. Ça rend bien la vidéo sur ton téléphone ? On n'y arrive pas avec le gantelet, on y va avec le pompe, hein. On va pas s'emmerder. Ouais, je suis d'accord. L'année prochaine, il y a, normalement, on devrait avoir la The Last of Us 1 sur PC. Il y a beaucoup de combats, mais il y a une histoire. Et de mémoire, c'était quand même assez flippant. C'est assez oppressant. Va produire un espace, c'est bon. Ouais, il y a pire, hein. En thème, c'était bien pire. C'est même pas un jeu en thème. C'était un proto qui a été déguisé en jeu. À peu près le même prix, hein. Et en plus, il y avait certainement une version collector. Bah, cherche sur Google, tu trouveras.
C'est un jeu de science-fiction coopératif, un jeu dans la catégorie Game of Service. Où tu joues un personnage dans une armure, dans un exosquelette, où tu pouvais voler un peu comme Iron Man. Ne touchez pas. Ah bah forcément. Le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va y toucher. Invalide. Ah zut. Bon bah c'est pas grave. Passons. J'ai trouvé le générateur. J'espère qu'il fonctionne toujours. Les systèmes sont opérationnels. Paramètres normaux. L'UJC ne saurait être tenu responsable en cas de défaut. Retirez l'objet de la chaîne d'impression. On
verra, ça fera toujours une arme supplémentaire, donc plus de munitions. Ça me fait 3 armes. Ah non, j'ai plus que 2 armes, bon on verra. Ouais, ça pue l'arnaque, ouais. Éviter les combats. Hein. Faites votre sélection. C'est presque poché, donc c'est même pas la peine. On dirait que 3 disjoncteurs sont connectés au générateur. Tic-tac, salut tic-tac. Tic-tac plutôt. Tic-tac. Alors, si tu cherches à acheter ce jeu, fais gaffe. Hein, parce qu'il est vraiment moyen. Déjà sur PC, l'optimisation est très mauvaise.
Et il est loin de valoir Dead Space. Si vous voulez jouer à ce jeu-là, attendez qu'il y ait une grosse promo et soyez sûr que l'optimisation sur le support que vous allez utiliser soit bonne. Je sais, Lexi. Si tu veux voir les deux épisodes précédents, ils sont sur la chaîne YouTube, hein, ils sont disponibles. Oui. C'est cool. Attends, juste pour info. Tu joues sur quel support ? Pas de PS5 pour Noël ? Je sais pas par où aller.
This is Sparta! Ah, ça c'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai, Alex. Ils sont aveugles, hein, les monstres. Ils se repèrent au son, mais comme tu le vois, il y a des choses qui sont pas super cohérentes. Ah, c'est pas le... Oui, mais alors, attention, hein. On fait pas la même chose avec un PC et une console, et on n'est pas à la même échelle de prix. Clairement pas. Tu seras en vacances à partir de quelle date, Lexi, toi? Le 16? Et vous partez en vacances de bonne heure? C'est dingue! Enfin, vous êtes en vacances.
Oui, je t'entends. Je me dirige vers la colonie. Je te contacterai quand j'y serai. Je dois rester discret pour l'instant. Bon, pour la discrétion, c'est pas trop ça. Ouais, l'optimisation est pourrite. Même avec une config de malade. Et si vous regardez les approbations positives et négatives sur Steam, elles sont principalement négatives. On est sur un produit qui est clairement pas fini. Les tuer pour avoir des crédits ou quelques pièces d'équipement. Sélection. Pas rien sélectionné. Ça sent le gros combat là. Je sais pas pourquoi.
Une grande plateforme comme ça là. Ouais, on fait le plein de munitions. Départ de plateforme de transit de marchandises. C'est parti. Prochain arrêt, station Arcas. Bien d'accord. Oh, faut refaire toute la séquence.
On va rester à proximité des hélices, puis c'est tout. Départ de plateforme de transit de marchands. Ouais, c'est fini, on voit qu'il y a une sauvegarde là. La séquence est finie. Le gameplay est très très moyen. Attention, les opérateurs doivent porter un équipement de protection à tout moment. Y a pas du soin qui traîne quelque part ?
Ok. Touche une fois, c'est fini. Hein. Mais on a l'impression d'un box à la Resident Evil, vous trouvez pas? Change d'arme, bon sang quoi, trois fois que j'appuie sur W. Nani ? Il est à 3 mètres et puis d'un seul coup il est au cac. Enfin bref. Bon là j'ai. Là oui. Là franchement j'ai abusé. Des jambes peut-être. Jambes ou tête. Ah.
franchement, j'ai du mal avec les combats là. On a 3 mètres, d'un seul coup on est au cac, c'est vraiment bizarre. Vraiment, vraiment bizarre. Il y a un problème de gestion des distances là, c'est pas possible. Il y a un vrai problème de gestion des distances quoi. On est à 3 mètres du machin et d'un seul coup il est sur nous. Enfin, je... Ouais, non. Là, il y a le mob, il y a le chariot et nous. Il y a le chariot entre nous et le mob. C'est pénible. Là, c'est vraiment pénible. On va se remettre aux pompes. Hein. C'est le flingue, c'est pas terrible. Il a une portée qui est un peu trop grande à mon avis. On a un personnage qui est lent, il court pas en fait, on a l'impression qu'il marche rapidement, c'est affreux quoi, c'est affreux.
Gardez vos distances de Rawanou. Le personnage il bouge pas, mais crotte quoi. Non mais sérieux. Enfin. Non mais faites des jeux qui soient pas buggés quoi. C'est une honte ça. C'est une honte. On fait un dernier try et puis après on arrête. Hein. Mais comment il a pu me choper? Je suis à distance. Ouais, dernier try. Mais comment il a pu me choper? Je suis pas au cac. Mais il y a un vrai problème. Je suis à distance. Je me retourne, je cours, il me chope. Non mais c'est dingue. Non mais c'est archi buggé. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a un vrai problème sur la portée des attaques de l'adversaire? Des fois, vous avez le personnage qui te bloque. Parce qu'il y a une petite marche au sol.
Destination en approche. Voilà. Arrivée, station d'Arcas. Le produit là, il manque cruellement de finition. C'est pas normal de sortir un jeu dans cet état là. Vraiment pas normal. Sans les cinématiques. Danny, je suis là. Super. T'es où exactement? Une sorte de tunnel de service. Je suis de l'autre côté. Continue. Et ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là pour ce soir. On est presque à 4 heures de live. Et on va arrêter. Donc s'il y a des moments que vous avez ratés, sachez que vous avez déjà les... On est au combien ? Les deux premiers épisodes sont sur la chaîne YouTube. Le quatrième va être celui-là, le troisième va être déployé. Dès qu'on finira ce jeu, on reprendra Nioh 2. Là, l'objectif sur Nioh 2, ça sera de finir les quêtes secondaires qu'on a laissées en suspens. Faire les quêtes secondaires du tout dernier DLC et aller le plus loin possible... dans les abysses en attendant la sortie du patch next gen de The Witcher 3. Un excellent jeu, c'est un jeu à histoire extrêmement long, on en a pour plus d'une centaine d'heures, une excellente écriture, un univers médiéval fantastique, très très bien réalisé. C'est un jeu qui est extrêmement intéressant et là aussi ça sera un épisode, et si vous ratez un épisode et qu'on a une histoire avec un fil rouge, même plusieurs fils rouges. Si vous voulez vraiment suivre le contenu, n'hésitez pas à regarder les VOD qui seront disponibles sur la chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente nuit. On va faire un petit tour de remerciement quand même. Donc merci à Gigi, merci à Harry, merci au Moustoir. Merci Lexti, merci également à tous ceux et à toutes celles qui nous ont regardés discrètement. Je vous souhaite une excellente nuit. On se retrouve demain en début d'après-midi à 14h. La durée de vie du jeu est autour d'une douzaine d'heures. Au début, on a avancé très très lentement. Là, on avance beaucoup plus rapidement. On a diminué le niveau de difficulté parce que vous voyez là, en difficile comme ça, c'est pas du tout raisonnable. Il y a, me semble-t-il, un petit souci d'équilibrage. Les combats sont un peu brouillons. Les fenêtres d'esquive sont un petit peu bizarres. Les portées aussi. Le jeu est extrêmement moyen. Dans sa narration, il ne fait pas vraiment peur. C'est surtout gore. Et c'est des combats qui s'enchaînent. Donc il n'y a pas le temps de poser en fait une atmosphère pesante, oppressante. Il produit une sensation de peur et on a des combats qui sont pour rébarbatifs, donc ça nous bloque l'immersion dans l'univers et c'est vraiment dommage. Si vous souhaitez faire ce jeu, je vous déconseille pour le moment. Attendez 1 qu'il y ait des patchs, 2 qu'il y ait une forte réduction parce que là extrêmement cher sur PC pour ce que c'est en termes de qualité, l'optimisation est affreuse, mais ça je m'en doutais, hein. J'avais alerté il y a environ 10 jours puisqu'on ne connaissait toujours pas les configs, donc ça annonçait soit un jeu raté,
soit un gros report, soit un jeu pas du tout optimisé. Là, on a un jeu qui est pas raté, mais qui est très très moyen, et une optimisation qui est scandaleuse, qui est tout à fait scandaleuse. Bonne nuit à vous, merci pour votre fidélité, et puis rendez-vous demain à 14h. Bonne nuit à vous.